Chers amis, chers intervenants, mesdames, messieurs, mes très chères sœurs, mes très chers frères, madame la présidente de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, madame Roche, bienvenue dans cette salle, à vous qui êtes présents et également à ceux qui nous suivront ce soir sur YouTube. Bonjour et bienvenue. Il n'est pas de liberté de conscience sans liberté d'expression. Le 16 octobre 2020, le professeur Samuel Paty, parce qu'il avait illustré un cours d'enseignement moral et civique sur la liberté de la presse par des caricatures, a été assassiné dans des circonstances particulièrement atroces. Cette année encore, par ma voix et en ce lieu, le collectif Laïque National, qui compte plus de 40 associations, et obédience maçonnique, s'attache à honorer sa mémoire. Le collectif rappelle que l'école républicaine doit rester le vecteur des transmissions de principes qui fondent la République, notre République, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Une école qui a pour raison d'être d'émanciper les enfants, d'aiguiser l'esprit critique des jeunes, et les préparer à être des hommes et des femmes libres et éclairés, capables de faire la différence entre ce qu'ils croient et ce qu'ils savent. Une école qui les place hors du jeu des différences sociales et en dehors de toute pression, et qui soit, comme l'écrivait Jean Zay, victime lui aussi de la barbarie, un asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. En commettant ce crime abominable, c'est l'école laïque républicaine que l'on veut abattre. C'est notre pacte républicain que l'on veut effacer. Face à ces attaques répétées des forces obscurantistes, aux relents nauséabonds, qui s'en prennent au fondement même de la République, les forces laïques ne peuvent et ne doivent rester muettes. Elles ne peuvent et ne doivent se disperser. L'oubli de Samuel Paty signifierait notre propre indignité face à la barbarie de ce crime. Notre silence précéderait notre abandon. Initialement, mon propos s'arrêtait là, avant qu'une sordide et bouleversante actualité s'impose avec violence. Dans cet hommage rendu à Samuel Paty, je ne peux manquer d'associer Dominique Bernard, un autre professeur assassiné, lui aussi et avec la même barbarie. Ils ont été assassinés parce qu'ils symbolisaient la République, la laïcité et la liberté de conscience auxquelles les fanatiques vouent une haine absolue. Ce soir, nous avons souhaité balayer plusieurs facettes de la liberté de conscience et de la liberté d'expression en regard de ces tragédies. Nous accueillerons en préambule Madame Catherine Kinsler, dont le propos sera suivi de deux tables rondes. La première consacrée au domaine de l'éducation, selon plusieurs éclairages. La seconde permettra à des journalistes d'exprimer leurs propos singuliers. Permettez-moi, au nom du collectif Laïque National et du Grand Orient de France que je représente, de vous remercier pour votre présence parmi nous. Donc je vous rappelle que cette conférence est enregistrée, mais uniquement les intervenants, et qu'il sera possible de poser des questions. Catherine, vous êtes professeure honoraire à l'Université de Lille. Vous avez enseigné une vingtaine d'années en lycée. Vos travaux portent sur la philosophie de l'art et de la philosophie politique. Vous êtes membre fondateur du comité Laïcité-République. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à Condorcet, et à la laïcité, dont le fameux « Qu'est-ce que la laïcité ?» Et j'ai oublié une connaisseuse assez subtile du rugby. Catherine, vous avez la parole. Merci. Bonsoir, mesdames, messieurs, mes très chers frères et sœurs. Début octobre 2020, en classe de 4e à Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty fait cours sur la liberté d'expression. Il utilise un dessin de Coco paru dans Charlie Hebdo en septembre 2012, dessin relatif à un film
et qui fait l'objet d'une fiche pédagogique référencée sur le réseau du ministère de l'Éducation nationale. Samuel Paty est alors accusé d'avoir traité les élèves musulmans de manière discriminatoire en les excluant d'une classe sur une base religieuse parce que musulmans. C'est faux. Ce qui est confirmé par des élèves présents, mais une élève qui était absente a choisi, elle, de rester dans la classe où elle n'était pas, pour entendre le professeur dire « Les musulmans, vous pouvez sortir » et d'ajouter « On a tous été choqués ». Je paraphrase ici un passage du livre de David Dinota, « J'ai exécuté un chien de l'enfer ». Dès lors, la machine accusatoire est enclenchée, maniée par des virtuoses de l'art d'être choqués. Le père de l'élève est un accompagnateur, dont on sait qu'il était le leader en France du collectif Cheikh Yassine, fondateur du Hamas, s'empare de cette parole mensongère et la développe. Il faut virer ce professeur. L'administration de son côté, on le sait notamment par un rapport de l'inspection générale du 3 décembre, adopte la thèse de la menteuse sur un point non négligeable, Samuel Paty a froissé les élèves. Ce qui revient en l'occurrence, et de la part de la parole publique, à restaurer le délit de blasphème. Cette administration s'étonne de la résistance du professeur à reconnaître une erreur, je mets les guillemets. Peu importe que cela soit démenti par le témoignage des élèves présents, ce qui compte, c'est le ressenti de l'offense. Le 16 octobre, vous le savez, Samuel Paty est décapité par le fils d'un Tchétchène réfugié dans l'État français islamophobe. Abdullah Anzorov a été renseigné, il faut quand même le rappeler, par quelques élèves. Les professeurs n'ont qu'à bien se tenir. Cibles idéales offertes au ressenti des élèves et des parents, érigées en censeurs par un dispositif mis en place depuis des décennies, il n'est déjà pas très bon qu'ils veuillent instruire sans négocier, sans s'agenouiller devant ce qu'on appelle le bruit pédagogique, en fait le chahut. L'exercice se révèle extrêmement dangereux quand l'objet de cette instruction est, comme le prescrit pourtant le programme d'éducation morale et civique, la liberté d'expression, notamment de la presse. Ce que notait non sans un humour qui nous navre a posteriori, Samuel Paty lui-même dans un mail, je cite, « Je travaillerai l'année prochaine sur la liberté de circulation ou peut-être sur la censure d'Internet en Chine ». Et puis ces petits profs ont besoin de conseils, de leçons prodiguées cette fois par un professeur du Collège de France, François Héran, qui dans pas moins de 3 interventions publiques prit la peine de leur expliquer que la liberté d'expression est abusive quand elle empiète sur la liberté de croyance et qu'il convient de la modérer pour n'offenser aucune sensibilité. Il faudrait donc se donner pour règle le respect de ce que les uns et les autres croient. Et ainsi, non seulement on frappera d'interdit tout ce qui contrarie ou même blesse une croyance quelconque, mais on finira par considérer comme admissible que la simple projection d'un dessin puisse entraîner une décapitation. Je cite mon ami Henri Pénaruise qui a écrit cette formule. D'où ces déclarations odieuses, je condamne, mais... Or, comme le montre dans un article que j'ai eu l'honneur de publier, comme le montre Gwenaëlle Calves, la juriste, il n'existe pas en France de droit au respect des croyances religieuses opposables, par exemple, à des dessins de presse ou à d'autres formes d'expression. Seules les personnes ont droit au respect et sont protégées. Tel pourrait être l'objet d'une séquence d'enseignement sur la liberté d'expression, illustrée notamment par un dessin de presse et son contexte. Il faut rappeler que la liberté d'expression, encadrée par un droit qu'il faut justement appeler commun, vaut pour tous, dans tous les sens. Sa pratique n'a pas la gentillesse pour norme, mais la loi. Oui, on peut afficher une opinion politico-religieuse ultra-réactionnaire dans la société civile. On a le droit de dire que l'incroyance est une abomination, etc. Mais cela vaut réciproquement. C'est en vertu du même droit qu'on peut exprimer la mauvaise opinion et même la détestation qu'on a de tout cela. C'est en vertu du même droit qu'on peut caricaturer irrévérencieusement telle ou telle religion. Oui, c'est difficile à supporter. Mais la civilité républicaine,
en tolérant qu'on s'en prenne aux doctrines et jamais aux personnes, a ici une leçon de bonne manière à donner aux saintes nitouches armées d'un coutelas. Tant de fiel entre-t-il dans l'âme des dévots. Ce n'est pas fini. Dans un lycée d'Arras, ce 13 novembre 2023, un terroriste islamiste dont la famille, elle aussi, avait trouvé refuge dans l'État français islamophobe, a massacré un professeur, Dominique Bernard, et blessé 3 autres membres de personnel, dont un gravement. La date, la similitude des faits, laisse penser qu'il s'agit d'une réplique délibérée de l'assassinat de Samuel Paty. Du reste, un détestable néologisme circulant chez certains élèves, je vais lui faire une Samuel Paty, a érigé cet assassinat en modèle. Ajoutons que l'ancien chef du Hamas a appelé les musulmans du monde à un jour de djihad ce vendredi 13 octobre, justement. Mais l'État islamique n'avait-il pas déjà en 2015 appelé à tuer des professeurs, particulièrement en France? Les tombereaux de fleurs et autres minutes de silence qui recouvrent ces massacres ne parviennent plus à dissimuler le poids du contexte institutionnel, ni à masquer l'impuissance publique et les années de déni. Il est vrai que les ouvriers de la 11e heure, qui s'empressent de verser des larmes de crocodile, donnent des signes de fébrilité. La culpabilité semble changer de sens. Mais Michaël Paty, la sœur de Samuel, a raison de dire que, je cite, « nous ne sommes pas dans l'après Samuel Paty, mais dans le pendant ». Fin de citation. Certains encouragements officiels à persévérer dans la voie de l'ignominie n'ont pas pour autant disparu. Ce que je vais tenter, pour terminer, d'illustrer à présent par un tout petit détail. Je remonterai pour cela à l'émission Réplique de France Culture du 24 avril 2021. Elle a opposé François Héran à Souad Ayada, qui était alors présidente du Conseil supérieur des programmes de l'éducation nationale. Et le sujet était l'enseignement de la liberté d'expression. À un moment, François Héran a avancé que le respect des convictions religieuses d'autrui figurant expressément dans le programme d'enseignement moral et civique, on peut récuser légitimement le fait de recourir en classe à certaines caricatures. Je suis allée voir. Effectivement, dans le programme d'enseignement moral et civique de l'école et du collège, le respect des convictions est présenté au début du texte comme constitutif du respect d'autrui, l'une des finalités de cet enseignement. Je cite, « Respecter autrui, c'est respecter sa liberté, le considérer comme égal à soi en dignité et développer avec lui des relations de fraternité. C'est aussi respecter ses convictions philosophiques et religieuses, ce que permet la laïcité. » Fin de citation. Outre un contresens sur le concept de laïcité, il y a là un gros trou dans la raquette. Premièrement, camper sur cette déclaration réglementaire, toute conviction pourrait donc exiger le respect au seul motif qu'elle existe. Toute démarche critique à l'égard d'une conviction est d'emblée disqualifiée, ce qui est à la fois contraire au droit et à un enseignement émancipateur. Deuxième point, remarque, soumis à une telle directive, comment un professeur peut-il éclairer la notion de blasphème dans un cours d'éducation morale et civique ? Et sa non-pertinence en droit républicain. Comment peut-il éclairer le concept de liberté d'expression? Comment un Samuel Paty, comment un Dominique Bernard peuvent-ils enseigner? Ou alors, il faut s'en tenir à des notions bisounours, erronées et vagues, en berçant les élèves avec ce qu'ils croient savoir. Il faut être gentil avec toutes les convictions. Et on s'étonne que les élèves s'ennuient, que le niveau baisse. On s'étonne aussi que les professeurs pratiquent l'évitement et l'autocensure. Mais cette phrase du programme officiel est une injonction à l'autocensure. Troisièmement, le professeur est confronté à des injonctions contradictoires. Lui faut-il enseigner le respect des convictions, notamment religieuses, ou bien les autres points du programme et les autres programmes d'enseignement qui lui demandent d'expliquer, de transmettre un savoir, y compris lorsque ce savoir va à l'encontre de convictions présentes chez les élèves. Les savoirs libres
et substantiels doivent-ils s'effacer devant la revendication abstraite, nombriliste et tribale de la liberté de ne pas être froissé. Quatrième point, remarque et dernière, cette phrase pleine de bons sentiments, je la répète, respecter autrui, c'est aussi respecter ses convictions philosophiques et religieuses. Cette phrase pleine de bons sentiments est contraire à l'idée même d'instruction, en ce qu'elle place la croyance au-dessus du savoir. De plus, elle introduit le présupposé de l'indissociabilité entre la conviction et la personne qui s'en prévaut, ce qui est une absurdité philosophique et juridique. Se défaire d'une conviction ou en changer, ce n'est pas pour autant se dissoudre ou devenir quelqu'un d'autre. Cette si gentille phrase ne peut pas être lue de manière anodine. Incompatible avec le droit républicain, elle repose sur une absurdité contraire au concept de liberté et d'émancipation. Elle est un obstacle à l'acte même d'enseigner et à celui de s'inscrire. Elle en dit long sur la mentalité de l'éducation actuellement. Elle n'a pas sa place dans un programme d'enseignement établi par une république laïque. L'y maintenir, c'est excuser d'avance les Saint-Nitouche armés d'un coutelas qui s'érige en défenseur d'une foi. Il faut bien sûr la supprimer. Oui, je vous l'avais dit, c'est un détail. Mais il est significatif de l'esprit et même de la lettre de bien des textes officiels. Plus largement, il révèle une mentalité, un défaitisme décervelant, répandu par le bisounoursisme ambiant. Il révèle un acquiescement anticipé aux propos culpabilisateurs tenus par des dévots sanguinaires, par leur soutien clientéliste et par leurs idiots utiles. Il faut combattre cette mentalité. Il est grand temps de consentir à voir que, contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Je vous remercie. Merci Catherine. Nous allons maintenant procéder à la table ronde concernant les personnes du monde enseignant. Philippe, tu prends le relais. Bien, grand maître dignitaire à Lorient, mes très chers frères, mes très chères sœurs, mesdames, messieurs, il me revient de présenter la première table ronde. Je vais faire très vite. Un CV rapide des intervenants. Je vais commencer par Eddy Caldi, qui est président de la Fédération des DDEN, enseignant en retraite, militant de la laïcité depuis 35 ans. Il est membre du collectif laïque national également et conférencier et auteur d'un ouvrage, notamment l'ABC de la laïcité pour... Alors, il y en a deux, l'ABC de la laïcité pour les jeunes. Damien Boussard, enseignant en Seine-Saint-Denis depuis 18 ans, professeur d'histoire-géographie au lycée d'Aubervilliers, formateur académique aux valeurs de la République depuis la création du dispositif, il y a, je crois, 2 ans, au sein de l'Académie de Créteil. Enfin, il est cofondateur et animateur d'une association d'éducation populaire, la COP des idées 93, je pense qu'il nous en parlera. Benoît Kermoval, professeur également d'histoire-géographie dans l'Académie de Versailles, secrétaire national d'un syndicat, l'UNSA Éducation, en charge des sujets de société au sein de ce syndicat et de laïcité également. Enfin, Alain Sexic, qui nous demande de préciser qu'il a commencé instituteur, puis directeur d'école, avant de terminer sa carrière comme inspecteur d'académie, à Paris, je crois, ancien chargé de mission sur la laïcité, au Haut Conseil à l'intégration. Alors, il a également participé à l'élaboration de la charte de la laïcité que vous connaissez, de la charte de la laïcité à l'école, en 2013, et plusieurs ouvrages collectifs. Je voulais en signaler un, en 2006, « L'école face à l'obscurantisme religieux »,
qui est celui qui a rendu public le rapport Aubin que le ministère ne souhaitait pas publier. Depuis janvier 2018, il est membre et secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité, qui est institué par le ministre d'Éducation nationale précédent, Jean-Michel Blanquer. Messieurs, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 3 ans après l'horrible décapitation de Samuel Paty, Dominique Bernard, professeur de français au lycée Gambetta d'Arras, est victime du terrorisme islamique. Toutes les pensées et soutiens de la Fédération des DDEN et plus largement du collectif laïque national s'adressent aux familles et aux proches de Samuel Paty et Dominique Bernard, ainsi qu'à tous les personnels d'éducation. C'est la République et son école qui sont visées, qui sont décapitées et assassinées. C'est encore une fois l'école et son lien consubstantiel avec la République par leurs principes constitutionnels, dont la laïcité, qui sont toujours et encore la cible de la barbarie intolérante. Parce que l'école est le vecteur de la formation à l'esprit critique pour l'émancipation des citoyennes et citoyens en devenir, elle est en première ligne des attaques terroristes contre la liberté d'expression et la laïcité au travers de ses professeurs et ses personnels. Dans leurs cours respectifs, Samuel Paty et Dominique Bernard professaient l'enseignement de la liberté, ou d'autres, dans le privé, revendiquent la liberté d'enseignement. Ceci a un rapport avec peut-être ce qui pourrait nous attendre. Leur séparatisme confessionnel scolaire, institutionnel, surfinancé, est une aubaine pour l'avenir d'autres communautarismes émergents qui pourront demain, plus encore, légitimement revendiquer les mêmes privilèges mortifères pour le devenir de nos principes républicains. Il convient d'y réfléchir maintenant si l'on veut éviter les guerres civiles de demain. Notre devoir, en tant que DDEN, est d'impulser une pratique de la citoyenneté. Ainsi, nous contribuerons dans notre association à aider chacune et chacun à se construire citoyen. C'est justement le sens de notre concours mené depuis 5 années, « Se construire citoyen », désormais renommé avec l'accord de ses parents Bernadette et Jean Paty, avec lesquels les DDEN ont participé à l'inauguration de leur première école portant le nom de Samuel Paty. Samuel y était encadré par sa grand-mère qui était à Tsem, dans cette école publique laïque de Buxières-les-Mines dans l'Allier. Notre concours, depuis novembre 2022, s'intitule désormais « Samuel Paty, se construire citoyen ». Au-delà de l'hommage rendu à Samuel Paty, les DDEN visent à faire connaître son action pour faire comprendre le sens et la nécessité d'un enseignement de la liberté, pour développer l'autonomie de jugement, pour l'émancipation des citoyennes et citoyens en devenir. La citoyenneté, l'égalité des sexes, la mixité sociale, l'être ensemble entre citoyens en devenir dans notre contexte de crise deviennent des enjeux fondamentaux essentiels. Les missions dévolues à l'école publique laïque, l'éducation à la citoyenneté, l'éveil au sens critique, à la lucidité et la responsabilité de soi constituent pour nous des DDEN les valeurs cardinales de l'acte éducatif, de transmission des idéaux, de liberté, d'égalité, de fraternité qu'enseignait Samuel Paty. Ces principes sont plus que jamais indispensable, car on n'enseigne pas la liberté et la liberté de conscience quand l'enseignement repose sur un dogme qui prétend détenir la vérité à lui seul. On n'enseigne pas non plus l'égalité quand c'est l'argent qui fait la différence de l'accueil au service des élites et des gens fortunés. On n'enseigne pas la fraternité non plus quand l'enseignement
est fondée et organisée sur un entre-soi communautaire. Le séparatisme scolaire, interne à l'enseignement public ou externe, lorsque l'État et les collectivités publiques organisent et financent la concurrence de leurs propres institutions, a de multiples conséquences pour nos principes républicains. L'aggravation de la mixité sociale, le démantèlement de l'éducation nationale, la laïcité de l'État et le séparatisme. Au Latran, en décembre 2007, dans un discours si peu respectueux de l'école publique et laïque, dont le président de la République a pourtant la mission constitutionnelle de promouvoir, ce sont cependant les figures du curé et du pasteur qui l'encensent devant celle de l'instituteur. Ce discours perfide et dangereux du Latran illustre les campagnes, y compris institutionnelles, de dénigrement insidieux de l'éducation. Je cite, « Dans la transmission des valeurs et l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur, même s'il est important qu'il s'en approche, parce qu'il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance. » Opposons à cette vision décliniste celle d'un bâtisseur de l'école laïque, Ferdinand Buisson. Le triomphe de l'esprit laïque, ce n'est pas de rivaliser de zèle avec l'esprit clérical pour initier prématurément les petits élèves de l'école primaire à des passions qui ne sont pas de leur âge. Ce n'est pas de les enrôler contre d'autres avec la même étroitesse et la même âpreté en sens inverse. C'est de réunir indistinctement les enfants de toutes les familles, de toutes les églises, pour leur faire commencer la vie dans une atmosphère de paix, de confiance et de sérénité. Oui, Samuel Paty, Dominique Bernard, était supérieur aux curés et aux pasteurs, non pas en tant qu'hommes, mais de par leur mission, parce qu'ils accueillaient dans la même communion du vivre ensemble tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit la religion ou pas de leur famille, mais aussi parce qu'ils professaient l'enseignement de la liberté pour que la conscience soit libre, pour que l'enseignement reçu échappe à tout présupposé, en un mot, qu'il soit laïque. C'est là la mission de l'école publique, laïque, gratuite. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lorsqu'on parle de la liberté d'enseigner, mon imaginaire convoque les extraits du documentaire « Être et avoir ». Je revois l'instituteur, l'agilité du funambule, qui tend son fil pour partir des questions des élèves et arriver au savoir mis en commun. Exercer en toute liberté, c'est permettre, en classe, l'expérience de la liberté de tous, les élèves comme des enseignants. C'est tendre des fils qui permettent de transmettre les valeurs de la République, donc enseigner en toute liberté, en toute égalité, et dans la fraternité mutuelle que les élèves dans la classe appellent camaraderie. Mais comment peut-on enseigner ces valeurs de la République aux élèves ? Il faut d'abord que partout soit posé le même cadre. La classe dans laquelle les élèves doivent se sentir libres de tout pouvoir penser, de tout pouvoir débattre avec les autres comme avec leurs propres préjugés. C'est pourquoi la condition de neutralité du professeur est une condition essentielle. Mais c'est aussi pourquoi le fait de ne pas rendre ostensibles les tenues des élèves est également fondamental, d'autant
que ces convictions peuvent être héritées de façon éclairée, mais aussi de façon contrainte. Le projet n'est pas d'imposer ces valeurs comme un dogme, comme un bréviaire républicain. Comment peut-on se sentir libre dans sa pratique quand on est enseignant ? Le programme, dit-on, constitue une contrainte forte. Être libre dans son enseignement, ce n'est pas prendre des libertés avec le programme. La liberté pédagogique existe pourtant bel et bien. Il s'agit de se sentir libre dans la mise en œuvre pédagogique des programmes. Cette liberté dépend fondamentalement du degré de compétence, de formation des enseignants, tant d'un point de vue didactique que d'un point de vue disciplinaire. Il faut également se sentir sécurisé du point de vue financier, avoir les conditions matérielles pour se loger dignement, être reconnu en tant qu'enseignant dans la société, se sentir sécurisé dans son statut. À titre d'exemple, aujourd'hui, aucun jeune collègue nommé dans l'Académie de Créteil ne peut espérer devenir propriétaire de son logement. Être et se sentir libre dans son enseignement, c'est avant tout essayer de tenir auprès des élèves la promesse républicaine d'émancipation. C'est maintenant l'ambition de contenu pour tenir cette promesse. De plus, cela ne peut pas rester un travail en solitaire. Vous avez tous certainement entendu parler de ce sondage de l'IFOP en 2022 qui avait fait grand bruit, où 56% des enseignants du secondaire déclaraient s'être au moins une fois dans l'année scolaire auto-censurés dans un enseignement pour éviter un incident en raison de convictions religieuses ou philosophiques. C'est 20% de plus que le même sondage de 2018. Liberté d'enseigner et enseigner la liberté. L'autocensure doit partout, dans toutes les salles de classe, être combattue et limitée par des moyens qui peuvent être des moyens simples. Il faut réintroduire dans les programmes scolaires des moments de co-animation. Cette co-animation qui, outre de garantir la sécurité comme cadre, car en effet, un cours sur des sujets problématiques est moins propice au débordement lorsque nous sommes deux. Mais l'apport des connaissances est démultiplié, le décloisonnement des élèves entre ce qui est considéré d'une matière ou d'une autre peut se faire. Mais surtout, je voulais évoquer avec vous le nœud du problème, ce que l'on appelle le conflit de loyauté. Beaucoup d'élèves issus de l'immigration se retrouvent inscrits dans différentes sphères. La sphère des vécus, des représentations, la sphère scolaire, la sphère publique, dans la cour de récréation, et la sphère familiale, dans laquelle la culture d'origine peut parfois jouer un rôle prépondérant. Or, il est primordial d'éviter à l'élève d'être pris dans des contradictions telles que ces différences entre la vision de la maison, la vision de l'école, la vision du professeur l'incitent à se défausser. Ces stratégies, c'est par exemple de dire à ses parents que le professeur a tort, pour dire ensuite au professeur que ses parents ont tort. L'école de la République, elle réussit encore aujourd'hui, pour l'immensité des élèves, à fabriquer des jeunes républicains. Les élèves des quartiers prioritaires ont le désir profond de s'intégrer, de réussir et d'adhérer aux valeurs. J'aimerais faire enfin un focus du point de vue de la salle des professeurs, parce que finalement, d'où vient le problème ? La salle des professeurs, aujourd'hui, c'est un lieu en cours de fragmentation, un lieu qui fonctionne de moins en moins bien. À l'origine, des réformes, l'autonomie croissante des établissements, la différenciation sociale des territoires, rien aujourd'hui ne ressemble plus à une salle des profs qu'une autre salle des profs. Les raisons sont multiples. Comme le rappelaient Jérôme Fourquet et Yanis Roder, les enquêtes PISA démontrent que de tous les pays de l'OCDE, le système éducatif français est celui qui fait ressortir la plus forte corrélation entre les performances scolaires et le niveau social des parents. Ce déterminisme social pèse fortement sur les trajectoires scolaires. Ce que démontre une nouvelle fois le dernier rapport
de France Stratégie de septembre 2023, intitulé « Poids des héritages, parcours des élèves », qui objective le fait que l'origine socio-économique et culturelle détermine les trajectoires scolaires. Cette réalité s'invite également dans la sociologie des salles des professeurs, dans le rapport que les jeunes enseignants peuvent avoir avec leur propre métier. La salle des professeurs aujourd'hui, c'est un patchwork de statuts, des contractuels aux titulaires, des signataires du pacte aux non-signataires du pacte, où finalement, c'est l'ancienneté moyenne des collègues qui révèle le cadre attractif ou répulsif du territoire. Certains décident pourtant de rester dans ces établissements dits difficiles. On utilise d'ailleurs souvent pour parler d'eux le terme de vocation. Il y aurait des capacités qui seraient innées chez certains pour exercer ce métier. Cette expression est un piège qui contribue à fixer les représentations que peuvent se faire certains collègues du sens à donner à leur métier et qui, dans la réalité, divergent de plus en plus. On charge la barque de la vocation pour ne plus voir le rivage du commun. La laïcité est un principe et non une valeur. C'est la condition de la liberté de tous dans l'école. Garantir que l'école soit préservée de toute pression sur les choix, sur les contenus, est possible. Mais beaucoup d'éléments doivent nous alerter. Rappelons-nous de la campagne anti-ABC de l'égalité à l'époque de la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Rappelons-nous de l'écriture et de la complexité de l'écriture des manuels scolaires. Je pense notamment aux travaux faits par Sophie Mazet qui s'inspirait des mouvements wokistes aux États-Unis qui rendent progressivement le contenu des manuels tellement insipide que plus aucune communauté n'autorise la parution des textes sans censure préalable. Pensez la laïcité. C'est bien en appliquer le principe comme déontologie au cœur du métier, plus que comme une valeur. Or, le renversement est tel que pour certains, la laïcité est parfois perçue aujourd'hui comme une idéologie à combattre. Je parle bien de l'intérieur des salles des professeurs. Le concept de laïcité est devenu progressivement, depuis la loi de 2004, un sujet de désaccord, de stress, un tabou. Sa définition, son objectif émancipateur, son caractère protecteur et garant des libertés de conscience n'est plus partagé par tous les collègues. C'est particulièrement vrai dans certains territoires ou dans certains établissements. La laïcité à l'école n'a rien à voir, faut-il encore le rappeler, avec du racisme, avec du sexisme. Mais cela fait tout naturellement. Ces éléments de langage se construisent également dans la tête des élèves. Je terminerai par une anecdote du formateur aux valeurs de la République que je suis et qui s'est donc produite de façon réelle dans un établissement de l'Académie de Créteil et qui est, je pense, révélatrice de ce point de vue. Sortie scolaire. La même classe va sortir deux fois dans Paris, à 3 semaines d'intervalle avec des enseignants différents. Lors de la première sortie scolaire, un jeune enseignant propose à une élève portant le voile de le garder, parce qu'il est tolérant, parce qu'il a l'esprit de bienveillance, parce qu'il ne veut pas de problème, parce qu'il veut que tous les élèves assistent à la sortie. Et la sortie se passe bien. 3 semaines plus tard, la même classe, un autre enseignant, qui devant le lycée, lui, va demander l'application de la loi, va demander à la jeune fille de retirer son voile. Et là, tout dérape. Les camarades de cet élève commencent à interroger le professeur sur son islamophobie ou son racisme. D'autres veulent sortir la caméra pour filmer l'incident. Puis la classe entière va décider de boycotter la sortie pour refuser de subir le racisme dit systémique exercé par cet enseignant. Vous voyez combien ces petits désaccords qui n'ont l'air de rien peuvent conduire l'école au bord du précipice. Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et sur les arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris ton nom.
Bonsoir à toutes et tous. Nous devions initialement nous retrouver pour échanger ce soir, 3 ans après le terrible assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre 2020. L'actualité nous a bousculés. Nous voici aujourd'hui, 3 jours après un autre assassinat, celui de Dominique Bernard à Arras par un autre islamiste radical. Mes pensées vont donc en premier lieu à leurs proches et à leurs familles, dans un temps de recueillement. Je pense aussi à David, Christian et Jacques, qui ont courageusement empêché le terroriste d'Arras de commettre d'autres meurtres au péril de leur vie. Comme cela vous l'a été dit, je suis professeur d'histoire-géographie, j'ai exercé plus de 25 ans au lycée de Mantes-la-Jolie, non loin de Conflans-Sainte-Honorine, où enseignait Samuel Paty. Je suis également responsable syndical à l'UNSA Éducation, où j'ai en charge plus particulièrement les questions de laïcité, et je vois parmi le public plusieurs visages amis qui travaillent sans relâche avec moi au quotidien pour tenter d'améliorer l'école. Mais je suis aussi un pur produit de l'école publique, laïque et gratuite, car je suis issu d'une famille modeste et je suis devenu ce que je suis grâce à des enseignants et à des enseignantes qui m'ont tout appris. C'est sans doute pour cela que je suis peut-être une des cibles de cette mouvance islamiste radicale qui souhaite actuellement abattre notre école et notre République. Et c'est pour ça que je vais vous parler de 3 points concernant la liberté d'enseigner et la place de la laïcité dans cet enseignement. Mon premier point consistera à dire que pour évoquer ces sujets-là, il est difficile aujourd'hui de contenir sa rage, de contenir sa colère sans fin et de faire avec une douleur qui tord le ventre. Parce que c'est ce que nous, enseignants et enseignantes, nous vivons au quotidien depuis plusieurs années. On peut parfois être frappé d'effroi, de sidération, et ça peut mener à l'inaction, voire à se dire à quoi bon. Mais face à cela, il faut aussi se dire qu'il est important d'agir et l'action doit être collective. C'est pour ça que je voudrais évoquer mes collègues d'abord, les éducateurs, l'ensemble des personnels éducatifs dans les écoles, les collèges et les lycées, qui chaque jour font leur travail et le font bien et le feront demain encore et l'ont fait aujourd'hui dans des conditions difficiles. Non, on ne fait pas l'impasse sur des parties du programme. Non, on ne baisse pas les bras. Non, on ne dit pas « je ne vais pas enseigner ça parce que ça va susciter contestation, débat, etc. » On essaye de faire. On essaye de faire et on le fait au mieux. Et je pense qu'il est important de le rappeler avant tout. Parce que le premier moyen de réparer collectivement notre République, de maintenir la liberté d'enseigner, c'est de laisser les personnels faire leur travail, qu'ils font avec abnégation, professionnalisme, compétence et savoir, parfois aussi avec des échecs, parfois aussi avec des abandons. Chaque enseignant et enseignante a vécu des journées où on se dit « ça n'a servi à rien ce que j'ai fait aujourd'hui ». Mais le lendemain, c'est mieux. Des échecs dans l'enseignement, c'est quelque chose de normal. Des choses qui ne passent pas, c'est quelque chose de normal. Mais chaque jour, on refait notre travail. On n'en peut plus des commentateurs ou des responsables politiques qui parlent à notre place en nous disant ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, qui s'insurgent au gré de l'actualité ou qui alimentent pour leur propre compte les peurs et les inquiétudes de notre société. Je crois que c'est essentiel de se rappeler ça. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas de difficultés ? Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas, effectivement, comme ça a été évoqué, des situations où on a trop baissé les bras depuis longtemps ? Non. Ne comptez pas sur moi, ne comptez pas sur nous pour ignorer la réalité. Il ne faut pas avoir la main qui tremble lorsque notre vie est mise en danger et que notre République est menacée. Alors comment faire ? Par exemple, mon organisation syndicale revendique aujourd'hui une meilleure sécurisation de tous les établissements.
ce qui passe tout d'abord par un état des lieux de la situation. En effet, dans certains endroits, on peut passer très facilement dans les écoles, les collèges et les lycées. C'est dû à des dysfonctionnements, des travaux pas effectués, parfois aussi à cause d'un manque de personnel. Et tout ça, il est important de le corriger pour que de telles situations que nous avons pu vivre ne se reproduisent pas. Il faut aussi lutter contre le terrorisme et la radicalisation qui touchent les plus jeunes. C'est un fait. Mais vous le savez sans aucun doute, cela nécessite un travail de coopération entre tous les services ministériels et l'école ne peut pas tout. Elle doit être aidée par la police, la justice, le renseignement. C'est ce qui se fait dans chaque cellule, dans chaque département où régulièrement on fait un état des lieux. C'est ce qui se fait aussi à l'école puisqu'il y a tout un dispositif de détection des personnes radicalisées. Sans doute faut-il actualiser ce dispositif, sans doute faut-il aussi informer tous les personnels que ça existe, parce que parfois on ne le sait pas, et donc il y a besoin de le faire. Mais les personnels savent aussi comment agir en cas d'intrusion, et l'exemple de l'attentat d'Arras nous montre que les enseignants, les personnels, ont su faire face à l'assaillant, ont su faire rempart, ont su se défendre. Préparer à l'imprévisible. Il faut donc dorénavant le faire, mais il ne faut pas oublier la mission première de l'école. Cette mission première, c'est éduquer. L'éducation est au cœur du projet de notre République. Une éducation qui élève, une éducation qui émancipe et qui fait participer à la cohésion nationale. Enseigner la laïcité fait donc partie de ce corpus que chaque élève doit connaître. Et là, il faut revenir à ce que je disais au début de mon intervention. Pour faire comprendre au mieux la laïcité, il faut faire confiance aux enseignants. Et ce n'est pas facile de faire comprendre la laïcité. Ça nécessite de multiples explications. On a les outils pour le faire. Ça passe par une diffusion des savoirs, mais ça passe aussi par la pédagogie. Il ne suffit pas de réciter un catéchisme républicain pour faire de tous les élèves des adeptes de la laïcité. Ça ne fonctionne pas. Il faut utiliser la pédagogie, et la pédagogie, ça s'apprend. Ça vous a été dit tout à l'heure, et très bien. C'est pourquoi on ne devient pas enseignant du jour au lendemain. Il faut apprendre à l'être, ce n'est pas naturel. Je crois qu'il ne faut pas croire qu'on devient naturellement enseignant. Il faut faire donc de la laïcité, non pas un objet de polémique, non pas une série d'interdits, mais un principe fédérateur et émancipateur, autour duquel l'ensemble de la communauté nationale puisse se retrouver. Ça passe par l'histoire de la laïcité, mais ça passe aussi par le droit, ça passe aussi par la philosophie et le débat. C'est quelque chose d'important, le débat, y compris lorsqu'on est en face d'élèves qui contestent des choses. Mais là, ce qui compte, c'est le savoir et la pédagogie. Et plus on a du savoir et de la pédagogie, plus on est capable de faire face à cela. Pour faire tout ça, il est donc impératif de mieux former les personnels, tous les personnels adultes. Trop souvent, dans les établissements, on dit « Oh, ça, c'est aux profs d'histoire géo de le faire. » Et du coup, la communauté adulte se retrouve démunie lorsqu'il faut agir. Non, c'est quelque chose que tous les personnels doivent faire. Il y a beaucoup de personnes, y compris dans les établissements, qui sont en contact avec les élèves et qui ne sont pas enseignants. On peut aussi faire de la laïcité dans ce cadre-là, et c'est quelque chose d'essentiel. Pourtant, cette formation aujourd'hui, initiale, quand on débute dans le métier ou continue, elle est mise à mal parce que c'est de plus en plus difficile d'avoir du temps pour le faire. On devient prof de plus en plus vite, parfois avec difficulté, et quand on entre dans le métier, c'est difficile. Et puis se former continuellement, ben, il faut en avoir le temps et beaucoup d'instructions officielles nous disent qu'il vaut mieux être devant élève et donc on oublie les formations, ce qui est bien regrettable. Nous avons en face de nous des élèves, des enfants qui grandissent, qui mûrissent, qui ont besoin de la liberté de confiance, qui ont besoin de l'esprit critique, qui veulent savoir, qui veulent débattre, qui veulent parfois contester, qui disent aussi des bêtises, et parfois beaucoup de bêtises, et parfois des bêtises juste pour vous embêter hein, parce que vous êtes l'autorité. Il faut faire face à cela. Mais il faut en faire des républicains en leur montrant et en enseignant tous les mérites de notre modèle. En un mot, comme le disait Jaurès, une citation que j'aime bien, « La démocratie
a le devoir d'éduquer l'enfance, et l'enfance a le droit d'être éduquée selon les principes mêmes qui assureront plus tard la liberté de l'homme. Donc ça passe par l'esprit critique et le débat. Cette tâche est difficile, encore plus depuis vendredi, où nous pleurons un des nôtres. Encore plus si on pense à Samuel Paty qui a cherché par son enseignement à faire comprendre ce qu'était ce droit fondamental de la liberté d'expression. Mais nous devons collectivement être des sentinelles, être en alerte constante, préparer l'imprévisible et devancer notre temps. Je suis persuadé que le courage collectif est à faire cela durant ces moments terribles que nous vivons. Je suis persuadé que l'action collective permet de construire notre cohésion et de réparer notre République. C'est tout le rôle des associations, des syndicats, des partis politiques ou des intellectuels et de plein d'autres encore. Pour terminer mon propos, face à l'horreur que nous vivons, il y a des temps pour le silence, mais il y a aussi des temps pour les mots. Dominique Bernard était un amoureux des mots et un passionné de Julien Gracq. Aussi, je voudrais terminer par cette phrase de Gracq qui nous aide, à envisager l'avenir. Je le cite, « Quelque chose comme une alerte lointaine se glisse jusqu'à nous dans ce vide clair du matin, plus rempli de présages que les songes. » Je vous remercie. Monsieur le grand maître du Grand Orient de France, merci pour cette invitation. Mesdames et messieurs, chacun en vos grades et qualités, chers amis. Le 13 octobre 2020, le professeur des universités Bernard Rougier, l'un de nos plus fins analystes du danger islamiste, expliquait au cadre de l'éducation nationale de toutes les académies de France, réunies dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, que l'islamisme a depuis longtemps désigné l'Occident dans son ensemble comme son ennemi principal, avec en son sein une cible privilégiée, la République française, et plus précisément encore son école. En appui de son propos, il citait un article consacré à l'école des mécréants, du magazine en langue française de Daesh, Dar al-Islam. C'est la version française de ce magazine de l'État islamique, pour ceux qui veulent la référence complète, le numéro 7 de décembre 2015. En voici quelques extraits. L'opposition est totale avec l'école laïque. La laïcité et la séparation de la religion et des affaires de l'État, le musulman, lui, sait qu'Allah est le seul législateur. Les mécréants et les musulmans ne sont pas égaux. En outre, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Le prolétisme est une obligation pour chaque musulman. À l'école de laïque, on interdit la prière et on banalise la fornication et l'homosexualité. La mixité, l'interdiction du hijab, le dessin des êtres dotés d'âme, la musique. Il devient clair que les fonctionnaires de l'éducation nationale qui enseignent la laïcité, tout comme ceux des services sociaux qui retirent les enfants musulmans à leurs parents, sont en guerre ouverte contre la famille musulmane. Nous devons leur porter la guerre. Tous ceux qui étaient présents à cette réunion du 13 octobre 2020 en Sorbonne ne sont pas prêts d'oublier les propos que leur avait alors tenus le professeur Rougier. La terrible preuve de leur incontestable pertinence devait rapidement éclater sous leurs yeux. À peine 3 jours plus tard, en effet, le 16 octobre 2020, ça a été dit plusieurs fois, le professeur Samuel Paty était assassiné dans les conditions que chacun sait. Tout juste 3 ans après ce crime, les mots de Bernard Rougier, tout comme ceux issus des travaux de Gilles Kepel, de Florence Bergeau-Blaquer ou Hugo Micheron, pour ne citer qu'eux, demeurent
et pour longtemps encore, sans doute, d'une implacable actualité. 3 jours après l'assassinat, qui occupe depuis tous nos esprits, celui du professeur Dominique Bernard devant son lycée à Arras. En 2020, de beaux esprits, à jamais responsables que de leur seule irresponsabilité et de leur lâcheté, laissaient entendre que Samuel Paty avait peut-être bien cherché ce qui lui était arrivé. Oui, mais, avait-on encore une fois entendu, oui, ce crime est odieux, mais était-il obligé de montrer des caricatures de Mahomet en classe ? Non seulement Samuel Paty n'a utilisé ces caricatures que pour illustrer son cours, comme le disait très bien tout à l'heure Catherine Kinsler, son cours sur la liberté d'expression, mais nous voyons bien aujourd'hui que le fanatique islamiste fiché S qui a commis le crime d'Arras, sans doute imprégné des exhortations du Hamas, ne s'est embarrassé, lui, d'aucun prétexte pour poignarder à mort un professeur. C'est en sa seule qualité de professeur que Dominique Bernard a été assassiné. Et ce n'est pas un hasard si l'école est visée par l'obscurantisme fanatique. C'est qu'il s'agit bien du lieu sacré où se transmettent les connaissances, nos principes, quand la haine se nourrit de l'ignorance. L'école doit être protégée de la violence et du fanatisme. Beaucoup de nos concitoyens se demandent à raison si nous avons fait assez ces 3 dernières années depuis l'assassinat de Samuel Paty pour que nos principes, justement, de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, ne fassent plus l'objet d'attaques a fortiori mortelles dans nos établissements scolaires. Le drame d'Arras inciterait à penser que non, bien sûr. Et il est évident que nous devons faire plus et mieux. Mais, outre qu'à la suite des travaux de Jean-Pierre Aubin et à l'initiative de Jean-Michel Blanquer, nous avons, depuis janvier 2021, au Conseil des sages en particulier, organisé un vaste plan de formation de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, Damien Boussard, l'a évoqué rapidement tout à l'heure en parlant de sa fonction de formateur dans l'Académie de Créteil sur la laïcité et les principes républicains. Il nous faut dire ici, outre ce travail de formation qui a été initié depuis 3 ans maintenant, il nous faut dire ici que la tâche immense et nécessaire ne doit pas incomber au seul professeur. L'école fait déjà beaucoup, mais elle ne peut pas tout, moins encore toute seule. C'est à la République tout entière, à la nation tout entière, d'entourer son école et de la soutenir dans son combat qui est, il faut en être conscient, loin d'être terminé. Comme le dit sa jeune sœur, Michaël, Catherine Kinsler l'a cité tout à l'heure, a cité ce propos tout à l'heure, mais la pédagogie, c'est aussi l'art de la répétition. Comme le dit sa jeune sœur Michaël, nous ne sommes pas dans l'après Samuel Paty, mais toujours dans le pendant. L'assassinat de notre collègue Dominique Bernard est malheureusement là pour nous le rappeler. Le meilleur hommage que nous pouvons rendre à nos 2 collègues, auxquels il faut associer aussi ce professeur de l'école Ozar Hatorah, mort sous les balles de Mohamed Merah à Toulouse. Le meilleur hommage que nous pouvons rendre à nos 2 collègues sauvagement assassinés en raison de leur profession est précisément de faire rempart au découragement, à la peur et au renoncement qui ne doivent pas gagner nos salles de classe. C'est de résister aux tentatives d'intimidation et de nous montrer collectivement plus forts que la volonté d'imposer la peur. Au demeurant, notre institution, forte de son histoire, n'est pas dépourvue d'atouts que les déclarations et l'action du ministre actuel, Gabriel Attal, depuis la rentrée dernière, sont venues renforcer. À la suite de la circulaire d'application de la loi du 15 mars 2004, qui le disait déjà, la note diffusée par le ministre le 31 août dernier
insiste sur le fait que si le dialogue à mener avec nos élèves, on nous dit tout le temps, il faut dialoguer, on passe notre temps à dialoguer avec les élèves et les parents, cette circulaire insiste sur le fait que le dialogue avec nos élèves et leurs parents, s'il est toujours nécessaire, ne doit pas être confondu avec quelque négociation que ce soit. Pour dire ce qu'elle a à dire, pour mener à bien son action, l'école a besoin de confiance, de ressentir de la confiance. C'est comme ça qu'elle en inspirera. De confiance, de cohérence, de cohésion des équipes. De ce point de vue, l'anecdote contée tout à l'heure par Damien Boussard est éclairante. Deux sorties scolaires d'une même classe avec deux professeurs différents et on est dans la cohérence. Que peuvent même comprendre les élèves. Et ils se saisiront de la moindre faille, évidemment, pour attaquer. Donc il nous faut cette confiance, cette cohérence, cette cohésion de l'ensemble des personnels. Confiance, cohérence et cohésion, à la condition, il faut le dire, qu'au-dessus des enseignants, des professeurs, des chefs d'établissement et jusqu'au plus haut niveau de l'institution, la même impulsion soit donnée. C'est aussi cela, la leçon de Creil en 1989. Les professeurs et l'ensemble des personnels exerçant au sein de l'institution scolaire doivent pouvoir s'adosser à l'institution, sentir cette confiance pour la souffler à leur tour, je le disais. Dans une tribune intitulée « L'antidote à la paranoïa », parue en septembre 2003 dans le Figaro, soit 2 ans après le 11 septembre 2001, le grand écrivain israélien Amos Oz, et il me plaît à plus d'un titre de le citer ici aujourd'hui, écrivait « Il manque aux modérés la force de la conviction. Ils ne sont pas saisis de la même ferveur que les fanatiques religieux lorsqu'ils défendent leur cause. » Les modérés, aujourd'hui, ne doivent pas craindre de s'enflammer. Ceux qui connaissent l'alliance de la modération et de la détermination méritent d'avoir le monde en héritage, et ce parce qu'ils n'auront jamais lancé ni croisade ni djihad pour sa possession. À nous tous, collectivement, de nous enflammer pour nos principes, pour nos valeurs, pour notre école, pour notre République. Bien, merci messieurs Eddy Caldi, Damien Boussard, Benoît Kermoal et Alain Sexic. Le temps nous est compté, donc nous pouvons prendre une question, j'en suis désolé, dans la salle, et où nous avons une question qui est venue par un auditeur qui est en ligne. Y a-t-il une question dans la salle ? Oui. On va vous amener un micro. Oui, merci. On va remercier tout le monde. Mais je voudrais revenir sur la conclusion de Damien Boussard, qui me semble significative. Il y a les arbres qu'on abat, malheureusement, et il y a la forêt. Cela me paraît tout à fait significatif de l'anti-laïcisme d'atmosphère. Je me tourne vers vous, chers experts, et je tourne vers nous tous. Comment faire pour faire comprendre à ces jeunes gens qui sont victimes de cette propagande anti-laïque ? Comment leur faire comprendre l'intérêt pour eux-mêmes de la laïcité ? C'est tout le nœud de la question. Je répondrai à une anecdote par une autre. Le jour de la rentrée, une élève de classe préparatoire vient et dit « Surtout ne lâchez rien sur l'interdiction de l'abaya. » Je précise que cette jeune fille est musulmane pratiquante. Et donc je lui demande « Pourquoi est-ce que tu es autant attachée à ce,
cette réaffirmation du principe. Et elle me répond, parce que vous savez, monsieur, ça fait déjà maintenant 2 ans que je ne mange plus à la cantine. Mais pourquoi ? Mais parce que les camarades musulmans regardaient et constataient que je mangeais non halal. Et donc me reprochaient d'être une mauvaise musulmane. Et là, je sentais bien que les derniers mois d'avant les vacances, ne pas porter l'abaya commençait à devenir encore une fois un motif d'être accusé d'être une mauvaise musulmane. Donc j'ai envie de répondre en disant, il faut redonner la parole aux vrais invisibilisés. Et les vrais invisibilisés dans ce combat de à qui profite la laïcité, c'est les jeunes de toutes origines, mais qui sont invisibilités, qui sont les premières victimes de l'obscurantisme, c'est-à-dire les jeunes issus de l'immigration eux-mêmes, mais qui, eux, ne rêvent que d'une chose, de l'application de nos valeurs. Et c'est à eux qu'il faut donner la parole. Merci. Très court, je ne pense pas qu'il y ait un climat contre la laïcité. Quand on interroge dans tous les sondages en lien avec la laïcité, il y a une adhésion qui est ultra majoritaire. On est à plus de 90% dans la société française. On est aussi à des très hauts chiffres chez les plus jeunes. Donc il faut en tenir compte, ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des atteintes, ça ne veut pas dire qu'il y a des difficultés, mais il n'y a pas un climat contre. Et je crois qu'il faut aussi en avoir conscience pour mieux combattre celles et ceux qui sont justement contre la laïcité. On peut se baser sur une très forte majorité de la société française, fort heureusement, et on peut se baser aussi sur une forte majorité des plus jeunes, même s'il y a un delta, et donc il faut s'en préoccuper et il faut poursuivre l'enseignement. Merci. Nous avons effectivement une question qui nous vient du web, du fait de la diffusion simultanée. Denis de la ville d'Annecy nous pose la question suivante. Les enseignants doivent-ils se censurer ? Un peu plus fort. La censure, j'avais essayé d'en parler un tout petit peu. Alors, je peux vous dire que l'autocensure est massive, mais on ne voit rien de cette autocensure puisqu'elle ne se voit pas. Et en tant que formateur d'enseignants, on a beau jeu d'expliquer pourquoi il est important de ne pas s'autocensurer. L'enseignant, le plus grand péril de l'enseignant, c'est de se prendre pour un individu. Et c'est l'individu qui se censure. L'enseignant, lui, n'a pas à le faire. Donc il s'agit en fait d'une faute professionnelle. Mais caractériser une faute professionnelle par l'absence de fait, c'est quand même compliqué. Voilà. Merci. Bien, nous allons maintenant passer à la table ronde avec des journalistes. Je demande à Monsieur Adrien Brachet de bien vouloir nous rejoindre et de prendre place. Madame, Monsieur, si vous voulez bien vous installer. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, chers invités, chers grands maîtres, bonsoir. Me revient le privilège de présenter cette deuxième table ronde, ce deuxième temps d'intervention, ce temps d'échange avec cette fois des journalistes. Merci à vous d'être présents, Yael Gauze, Sophia Aram, qui n'est pas journaliste mais chroniqueuse, Adrien Brachet. Merci à vous d'être là, je vais vous présenter rapidement. Sophia Aram, donc humoriste et chroniqueuse. Nous avons le privilège de vous entendre tous les matins sur Inter. On entend le lundi matin le billet de Sophia Aram. Presque tous les jours, par contre, on aura le plaisir de vous voir. Je dis presque tous les jours, car c'est du mercredi au samedi, au studio des Champs-Élysées.
C'est en cours. Alors, vous pouvez aller, effectivement aller regarder sur Google de quoi il s'agit. On a décidé de ne pas en dire plus. Adrien Brachet, vous êtes journaliste au magazine Marianne, chargé précisément des questions d'éducation de laïcité. Et je souhaite préciser que vous êtes aussi contributeur à la Fondation Jean Jaurès. Yael Gauze, vous êtes journaliste, chef du service politique de France Inter. Tous trois, je vais vous inviter à prendre la parole. Adrien Brachet, on commence par vous. Bonsoir. Bon, comme vous l'avez entendu, je suis journaliste en charge de questions d'éducation. Alors ce soir, j'avais prévu à l'origine de vous parler de mon travail sur l'éducation nationale face aux atteintes à la laïcité, du rapport de la jeunesse aussi à cette laïcité que je constate au cours de mes reportages, au cours de mes enquêtes. J'avais prévu de vous donner des chiffres, de parler d'études, de textes, etc. Mais l'actualité en a voulu autrement, puisque je reviens de 2 jours à Arras, où je suis parti vendredi un peu précipitamment. Et je pense que comme journaliste, comme citoyen aussi, c'est 2 jours qui me marqueront longtemps. J'ai vu l'inquiétude dans les yeux de parents d'une ville moyenne de France qui vivaient pour la première fois en face, dans leur chair quasiment, l'islamisme. Mais surtout, j'ai entendu parler d'un homme, Dominique Bernard. J'ai rencontré une de ses amies, Béatrice, qui habite à côté de chez lui, à Berneville, à côté d'Arras. Et je lui ai promis que je vous parlerai un peu de lui. Quand je l'ai rencontrée, elle était les larmes aux yeux. Et quand elle m'a parlé de Dominique Bernard, je me suis dit qu'au fond, dans la façon dont elle en parlait, c'était un peu notre prof à tous. Elle parlait d'un enseignant qui était passionné, patient, qui était drôle aussi, qui était entouré de livres chez lui, perfectionniste, presque un peu maniaque, avec ses tas de copies à la maison. Au fond, l'enseignant que nous avons tous connu à un moment de notre vie. Prof, il l'était quasiment dans tous les aspects de sa vie. Elle m'a montré une photo de ses dernières vacances. C'était à Nantes, il y a quelques semaines, fin août. Il était à côté d'une statue et dans sa main, il avait un guide de la Bretagne. Un bon prof, quand il partait en vacances, c'était pour visiter. C'est aussi important de dire que c'était un homme simple, d'une simplicité qui honore. Il s'occupait de son potager, avec sa femme, elle aussi enseignante. Il promenait son chien dans les rues de Berneville. Il transmettait sa curiosité à ses filles. Je pense qu'il nous manquera à tous. On est 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty. Et il y a quelque temps, cet été, je lisais une des ordonnances du dossier en justice de Samuel Paty. Je pense qu'on n'a pas conscience des derniers jours qu'ont été ceux de Samuel Paty. En lisant cette ordonnance, on se rend compte combien il a pu souvent se sentir seul ces derniers jours avant de décéder. Et c'est sûr qu'après tout ça, je suis journaliste, mais je ressens quand même une forme de colère vis-à-vis de tous ceux qui, quand vous travaillez sur ces questions de laïcité, parfois vous regardent d'un œil un peu interrogateur et se demandent « mais pourquoi il parle de laïcité ? Est-ce qu'il ne va pas chercher la petite bête ?» Et donc ce soir, j'ai envie de rappeler ce qu'on n'a jamais le temps de faire dans les articles, parce que dans les articles, on parle de faits, on est emporté par l'immédiateté, mais de rappeler pourquoi on en parle de la laïcité. On en parle parce que, en Dominique Bernard et en Samuel Paty, ce que l'islamisme a voulu assassiner, ce sont parmi les plus belles choses que notre République est conçue. L'école publique, laïque, qui est largement imparfaite, on a pu en parler avec ses problèmes de déterminisme sociaux, ses inégalités profondes,
ces problèmes de rémunération des enseignants, ces problèmes de niveau, même l'état du bâti scolaire, c'est une école qui souffre. Mais rappelons-nous quand même que cette école porte un idéal fort d'émancipation, pas une obligation d'émancipation, mais une possibilité à chaque élève de France de poursuivre sa trajectoire au-delà des déterminismes, au-delà de son milieu social, culturel, économique, politique. C'est cette idée qui remonte à Condorcet de la perfectibilité de tout homme. Ce qu'on a attaqué en Dominique Bernard, c'est aussi l'idéal de transmission, l'idée de mise en partage du savoir. On oublie trop souvent cette notion de transmission, transmission des livres, des films, de toutes les œuvres d'art, tout ce qui permet aux hommes d'échapper au déterminisme et de construire leur propre liberté. Je voudrais dire aussi que sur la laïcité à proprement parler, quand on en parle, y compris quand j'en parle avec des jeunes, ils en entendent parler de tous les côtés, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de tensions autour de cette notion, et j'essaie toujours de leur rappeler, là encore, combien ce principe porte autour de lui un projet de société extrêmement enthousiasmant, un projet d'émancipation, un projet de protection aussi, ça a été rappelé par l'anecdote tout à l'heure, la loi de 2004 par exemple, on ne le dit pas suffisamment, c'est une loi de protection des élèves. Et puis comme disait Jean Jaurès, laïcité et démocratie sont deux termes identiques, je pense qu'on ne peut pas envisager de véritable démocratie sans laïcité. Et pour terminer, il y a quelques temps, un des premiers articles que j'avais écrit sur la laïcité, j'avais cité une phrase de Kamel Daoud où il ne parle pas du tout de laïcité, mais qui pour moi résume un peu tout ce qu'il y a autour de la laïcité. Il disait, Kamel Daoud, c'est une interview sur France Inter d'ailleurs, il disait « Je veux embrasser quelqu'un plutôt que ses croyances ». Et au fond, c'est exactement ça la laïcité. C'est reconnaître des hommes, reconnaître l'être humain qui a bien plus de valeur que toutes les croyances qui, elles, peuvent être critiquées et qui, au fond, ne sont jamais figées, bougent tout au long de notre vie. Voilà, Samuel Paty et Dominique Bernard font partie de ce monde précieux que nous devons préserver. Merci. Madame Sophia Aram, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Avec l'expérience, lorsque je dois parler de la liberté d'expression, je reprends quelques idées sur le blasphème comme pierre angulaire de la liberté d'expression. Je parle de la nécessité de faire un choix entre respect et liberté de conscience et je navigue à vue dans un corpus d'idées laïques que vous avez entendu mille fois et que Charbes et Richard Malka exprimaient généralement beaucoup mieux que moi. Je vais donc éviter de vous saouler et vous parler sincèrement. Voilà. J'aimerais profiter de ce moment pour partager une réflexion personnelle et qui revient à chaque fois que je prends la parole après qu'une crevure décide de tuer au nom de l'islam, de sa fragilité de croyant blessé par une caricature ou simplement de son antisémitisme. À chaque attentat, c'est la même musique, la même mécanique. Quelques heures ou quelques jours après un bain de sang, le moment de ma chronique arrive et comme d'autres, j'exprime ma compassion à l'égard des victimes et je donne mon avis sur les crevures qui se sont senties le droit de faire taire dans le sang ceux dont l'existence semblait heurter, menacer ou simplement déranger leurs convictions fragiles. Ensuite, je reçois mécaniquement le soutien de tous ceux qui partagent cet avis et les insultes, voire les menaces de tous ceux qui estiment qu'exprimer de la compassion envers des juifs victimes d'un pogrom n'est pas très respectueux de la cause palestinienne ou que soutenir un professeur ayant eu l'outrecuidance de montrer un dessin de l'anus étoilé d'une caricature du prophète à quatre pattes, les roubignoles à l'air, n'est pas très respectueux des croyants. Je ne fais que expliciter le dessin. Et la liste n'est bien sûr pas exhaustive. Avec l'expérience, j'ai envie de vous dire business as usual.
Mais il y a également un troisième type de message auquel je ne prêtais pas vraiment attention, jusqu'à ce que je m'aperçoive que leur nombre augmente à chaque attentat. Il s'agit de tous les messages m'exhortant à faire attention à moi, à être prudente, à saluer mon courage. Cette compassion me touchait jusqu'à ce qu'elle m'exaspère. En fait, pour tout vous dire aujourd'hui, elle me rend dingue. Depuis Salman Rushdie, Charlie, Samuel Paty, mais aussi la jeune Mila, qui a été menacée tellement de fois. Si on sait une chose, c'est qu'il ne faut pas être seul. Jamais. Lorsqu'on est seul ou simplement peu nombreux, on est en danger. Le silence des uns met en danger ceux qui parlent. Alors je vais être sincère et vous dire vraiment ce que je pense de tous ceux qui partagent nos idées, qui ont la parole, qui ont la possibilité de s'exprimer, mais qui se taisent. Je les emmerde. Et j'emmerde leurs remerciements. Je n'ai pas besoin de leur compassion, de leur sourire forcé. Je n'ai pas besoin de leurs messages privés, encore moins de leurs chuchotements. S'ils n'ont pas le courage de parler quand ils en ont l'occasion, alors qu'ils aillent vraiment se faire foutre. Charb avait exprimé le plus clairement du monde ce que je ne comprends que maintenant lorsqu'il a dit qu'il avait moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. En fait, il avait profondément raison. Alors, pour vous le dire plus clairement aujourd'hui, voilà ce que je pense de tous ceux qui partagent notre point de vue, qui ont la parole et l'occasion de le dire, mais qui se taisent. Si vous n'êtes pas capable de défendre haut et fort le droit de Salman Rushdie à importuner un vieil ayatollah qui fait pipi sous lui, allez vous faire foutre. Si vous n'êtes pas capable de diffuser les caricatures que Charlie a eu le courage de publier, allez vous faire foutre. Si vous n'êtes pas capable de défendre le droit d'enseigner de Samuel Paty et de Dominique Bernard, le droit de vivre des enfants d'Ozara Torah ou des clients de l'hypercacher, allez vous faire foutre. Si vous n'êtes pas capable de hurler votre haine de l'assassin de Nice ou de qualifier de terroriste une organisation qui commet un pogrom sur le sol israélien, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre et continuez de vous taire, rampez, vivez planqué, tairez-vous, mais ne venez pas me dire merci. Ne dites pas merci à Richard Malka, à Riss, à Kamel Daoud, à Tahar Benjelloun, à Delphine Horviller, à Abdennour Bidar et quelques autres. Taisez-vous et allez vous faire foutre. À tout cela, franchement, vous ne valez pas mieux que ceux qui nous désignent comme islamophobes et nous mettent une cible dans le dos. Vous ne valez pas mieux que Mathilde Panot ou qu'un Manuel Bompard, une Rokhaya Diallo ou un Jean-Luc Mélenchon, parce que votre silence nous fragilise. Le silence isole. Il donne de l'écho à ce qui ne devrait pas en avoir. Il expose et rend vulnérable. Aucune voix isolée ne porte vraiment. Elle se perd, se fragilise et se marginalise. Vous aurez beau la chérir, la saluer ou la partager secrètement, le silence ne fera que la tuer. Je ne sais pas si la parole de tous permettrait d'éviter ces drames, mais j'ai la conviction que si tous les auteurs qui partagent la liberté de parole de Salman Rushdie l'avaient soutenu ou avaient simplement fait usage de leur liberté en publiant ce qu'ils pensaient de la fatwa de Khomeini, je sais qu'il aurait été moins seul, moins fragile, moins exposé. Si toute la presse du monde avait publié les caricatures danoises que Charlie a publiées, Charlie Hebdo n'aurait peut-être pas été pris pour cible. Si tous les professeurs avaient eu le courage de montrer un dessin à leurs élèves ou le courage d'enseigner clairement l'inexistence du délit de blasphème, Samuel Paty n'aurait peut-être pas été pris pour cible. Si seulement nous n'avions pas été seuls dans la rue à rendre hommage aux victimes d'Ozara Torah, qui sait ? Avec le temps, la haine des Juifs aurait peut-être fini par décroître. Il est temps pour tous ceux qui partagent les principes qui nous protège, qui protège notre liberté de prendre la parole haut et fort, comme il est temps de nommer ceux qui la menacent. Parce qu'au fond, nous connaissons l'idéologie à laquelle appartiennent ceux qui nous prennent pour cible. Cette idéologie veut réhabiliter le crime de blasphème et punir l'apostasie par la mort. Elle défend le principe selon lequel une femme devrait obligatoirement couvrir sa tête ou masquer ses formes. Cette idéologie invite à punir l'islamophobie supposée d'un État qui, comme la France, a l'outrecuidance de défendre le modèle laïque en interdisant les signes religieux à l'école ou en exprimant sa solidarité envers tous les Israéliens et les Juifs lorsque ceux-ci sont sauvagement assassinés. Cette idéologie, elle porte un nom, il s'agit de l'islam radical. Il est temps que tous ceux qui partagent cette idée, qu'ils soient chrétiens, juifs, athées, agnostiques ou musulmans, il est temps qu'ils participent à ce combat, parce qu'il ne fait que commencer et que parce que s'il est loin d'être fini, il est également très loin d'être gagné. Merci.
Yaël Gauz. Je connaissais mal les usages et les coutumes. J'ai pris des notes discrètement quand j'étais assis au fond. Je vous ai écoutés tous attentivement, toutes et tous. Moi, ce qui me préoccupe énormément dans ma fonction d'observateur de la vie politique, de journaliste, c'est comment on gère, si l'expression est suffisamment juste, le tragique de répétition dans l'actualité. J'étais frappé, donc samedi, dimanche, je réfléchissais à qu'est-ce que j'allais dire à 7h42 ce lundi matin, après tout ce qu'on a encaissé depuis vendredi. Octobre 2020, le président Emmanuel Macron est au Mureau le 2 octobre et il lance la bataille contre le séparatisme islamiste. Le 9 octobre, le projet de loi est adopté en Conseil des ministres. Le 16 octobre, Samuel Paty est décapité. Octobre 2023, jeudi soir à la télévision, Emmanuel Macron nous appelle à rester unis, à ne pas importer au plan national les fractures internationales. Au même moment, place de la République, manifestation spontanée interdite pour dire « la Palestine vaincra ». Et le vendredi, le lendemain, Dominique Bernard est lâchement assassiné dans ce lycée d'Arras, le lycée Gambetta. Voilà. Les mots sont là, politiques, républicains, puissants, et à chaque fois, l'actualité, le fait, vient effacer la force du mot qui a été prononcé. Le choc des assassinats les efface. Et ma préoccupation, c'est quel sentiment d'impuissance cela laisse ensuite dans la tête, dans les oreilles de nos compatriotes. Le traitement de l'actualité nous emmène parfois à être ballottés constamment d'un événement à l'autre sans voir le fil qui les relie. Hugo Micheron était cité tout à l'heure, chercheur, spécialiste du djihadisme à Sciences Po. Il dit que le djihadisme intermittent, ça n'existe pas. C'est un djihadisme continu, c'est une guerre continue et permanente qui est déclarée. Et ça m'a interpellé, parce qu'effectivement, dans le tohu-bohu quotidien d'actualité qui change de conférence de rédaction en conférence de rédaction, on peut parfois perdre le fil. Et dimanche, moi, à mon bureau, je pense qu'il est temps de reconstituer ce puzzle de l'horreur qui dessine l'objectif du djihadisme. C'est détruire la République, la démocratie, telle que nous la concevons en France, soit en tuant ses symboles physiquement, Samuel Paty, Dominique Bernard, soit en créant les conditions de notre propre implosion, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus que deux extrêmes qui s'affrontent dans le débat démocratique et plus rien au milieu. Et à la fin, c'est la démocratie qui implose, en ouvrant des brèches, en jouant avec nos failles. Et si l'on reconstitue le film à gros traits depuis 2015, vous avez tous les symboles républicains qui ont été attaqués. Un couple de policiers à Magnanville, les juifs à l'hypercachère, la jeunesse, la culture, le brassage, le Bataclan, la classe, l'enseignement, le sanctuaire de l'école, Samuel Paty, Philippe, Dominique Bernard, et le journalisme, la liberté d'expression, Charlie Hebdo. Et voilà, on a parfois tendance à prendre tous ces attentats comme autant de moments de douleur espacés dans le temps, en oubliant qu'ils constituent une seule et même guerre. On a la mémoire sélective, c'est normal, on cherche le bonheur, donc on a forcément tendance à refouler les moments les plus durs. Mais je mesure tous les jours la nécessité de redire que tous ces faits n'en font qu'un et appeler à la plus grande vigilance. Mon rôle à moi aussi, dans cette liberté d'expression, c'est de nommer les choses. Merci. Sophia Aram et Yaël Gauz, Adrien Brachet, merci à vous. Merci beaucoup. Nous ouvrons maintenant un temps de questions. À la salle, évidemment. On a une question. Voilà.
sur la colonne de gauche, Anita au fond. Voilà, merci. C'est ouvert. Ouais. C'est ouvert. Ah, faut approcher. Je voulais juste dire deux choses, poser une question, c'est que là, on parle de la France, mais en fait, c'est un phénomène international et je pense qu'il faudrait qu'on recadre un peu les choses. Ce qui se passe, par exemple, au Nigeria, qui s'est passé depuis déjà longtemps dans les écoles où les enfants ont été kidnappés, etc., etc., enfin, il y a tout un tas de choses qui se sont passées à l'extérieur aussi déjà. Et je pense que ça, c'est une chose à recadrer. Et la deuxième chose, c'est qu'en France, il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est fixer nos institutions pour qu'il n'y ait plus une autre fois toutes les choses que Samuel Paty a vécues avant de mourir dans ces dernières deux semaines. Ça, c'est l'institution qu'il a complètement affaibli avant son assassinat. Et il y a d'autres choses, ça c'est au niveau de l'institution d'éducation nationale, et l'autre chose, c'est à d'autres niveaux, c'est au niveau des administrations, de la préfecture, de ce qu'on a vu par rapport au cyberharcèlement d'enfants et des conséquences. C'est des choses qu'on peut fixer. Et donc il y a ça qu'on peut fixer. L'autre chose, c'est de comprendre que l'islamisme, c'est international, c'est pas seulement la France, et qu'il faut se donner les moyens ensemble avec les autres pays. L'un de vous souhaite répondre. Je m'adresse aux journalistes chroniqueurs, mais aussi aux enseignants, bien sûr, sur cette série de questions. Non, mais c'était pas là en l'occurrence, il n'y avait pas forcément de réponse à apporter. C'est le con. Est-ce que c'est allumé? Oui. Mais c'est le concept même de démocratie qui est évidemment attaqué. Un, deux. Ah, c'est bon. C'est le concept même de démocratie qui est attaqué beaucoup plus largement, bien sûr. On personnifie sur la France. Non, ça n'est pas branché, je crois pas. Non, mais... D'accord. Non, je disais, on est bien d'accord, c'est le concept de démocratie beaucoup plus largement qui est touché. On a notre modèle républicain français, mais évidemment, ce qui s'est passé en Israël, ce qui se passe ailleurs en Europe, peut-être ce soir en Belgique d'ailleurs, puisque un attentat a été perpétré. Voilà, il y a évidemment, c'est la démocratie qui est attaquée au sens large par cette vision totalement dévoyé de l'islam et cet autoritarisme qui est là, qui l'attend dans le djihadisme. Bien sûr, ce n'est pas uniquement la France dont on parle. Vous pensiez à Boko Haram au Nigeria, bien sûr. Oui, pardon. Oui, peut-être sur l'aspect international, je suis tout à fait d'accord. Peut-être, alors, les contextes sont très très différents, mais... Je pense que, et je citais Kamel Daoud tout à l'heure, mais ce qu'a vécu l'Algérie au cours de la décennie noire peut nous inspirer aussi, enfin nous inspirer, nous faire réfléchir en tout cas, puisque à l'époque aussi, les universités et les écoles ont été parmi les premières cibles des islamistes. Et puis sur la deuxième partie de la question, je pense que oui, il faut que nos institutions tiennent plus fort, qu'il y ait une prise de conscience, y compris jusqu'au fond des ministères, c'est-à-dire y compris auprès de gens qui sont habitués à parfois prendre plus de temps à défendre leur institution, leur ministre, qu'à défendre la République. Mais je pense qu'aussi, la grosse partie du travail, c'est auprès de la jeunesse. C'est-à-dire que j'étais il y a un mois à peu près, on a parlé devant 400, avec mon ami Jean-Louis Adenor, qui est journaliste à Charlie Hebdo, on a parlé devant 400 lycéens à Dax, de laïcité. Et en fait, c'était très difficile parce que toutes ces notions qu'on a de liberté, d'émancipation, même toute la trajectoire de la laïcité depuis l'école laïque, puis la loi de 1905, etc., ils ne les ont pas du tout, ces notions-là. Et tant qu'on n'arrive pas à leur transmettre ça,
On peut renforcer l'arsenal sécuritaire, on peut prendre plein de mesures, mais tant qu'on ne réveille pas les consciences, d'une certaine manière, je pense qu'on est un peu bloqué. Nous avons une première question faite, Anita. Alors, tu peux y aller, nous aurons une question début de colonne par la suite, sur la colonne de gauche. Merci beaucoup, bonsoir. Merci aux orateurs de ce soir. J'ai trois questions. Première question, c'est par rapport à la question de l'Ouma, donc la fameuse Ouma musulmane, et qui est développée par la philosophie des frères musulmans, qui aujourd'hui sont le problème prioritaire en France et par rapport à aussi une vision internationaliste de cette philosophie. Deuxième question, c'est par rapport au concept même de laïcité qui ne doit pas simplement se diriger vers l'école, mais également vers le système associatif qui a été, il y a encore quelques années, un terreau pour développer les notions de d'émancipation, de fraternité et donc les valeurs de la République. Et troisième question, c'est par rapport aux décisions qui sont prises dans les salons parisiens et qui ne sont pas suivis d'effets sur les territoires. Exemple, ce qui s'est passé il y a encore quelques mois sur Strasbourg, où dans un professeur, on a demandé à un professeur de prendre un congé maladie puisqu'il avait été victime d'une fatwa. Et lorsqu'il a été faire une main courante, on lui a dit oui, on est au courant. À la rentrée, ce professeur est parti et ceux qui l'avaient menacé ont été accueillis comme des héros. Donc remettons les vrais héros à leur place. Merci. Merci. Alors c'est intéressant de poser une question et pas plusieurs à la fois. Nous allons reprendre une dernière question et laisser la parole à nos invités s'ils souhaitent répondre. Anita, je veux bien que tu viennes sur le devant, que j'avais une question sur le s'il te plaît. Bonsoir, merci beaucoup pour la qualité de toutes les interventions ce soir. Ma question va porter peut-être plus pour les professeurs, elle porte sur l'enseignement du fait religieux. J'entendais la réponse qui était faite à l'instant, qui parlait des notions qui manquent aux élèves pour comprendre toute la portée et l'intérêt de la laïcité. Et je pense que des connaissances sur le fait religieux fait aussi partie des éléments qui peuvent manquer aux élèves pour comprendre tout l'intérêt de la laïcité dans une société multiple comme la nôtre. Et je pense que en France, le choix a été fait d'avoir un enseignement du fait religieux qui soit transversal et de ne pas avoir de matière spécifique. Et du coup, j'aimerais vous demander, notamment aux professeurs, que pensez-vous de cet enseignement? Comment il est aujourd'hui enseigné aux élèves? Pensez-vous que les professeurs aient la formation suffisante pour pouvoir l'assurer conformément à ce qui est écrit dans les programmes? Et quel rôle pensez-vous de votre côté qu'il puisse avoir dans l'enseignement de la laïcité aux élèves? Je vous remercie. Merci. Écoutez, je vais prendre cette dernière question, mais mes collègues qui sont en exercice auront certainement des choses beaucoup plus précises que moi à dire. D'abord, l'enseignement des phénomènes religieux, parce que le mot « fait », ça ne suffit pas. Il y a des phénomènes religieux, des pensées. Il y a très longtemps que ça existe, ça a toujours existé. Moi, quand j'étais au lycée, on l'a appris. Pour passer le brevet en troisième, je savais tout des indulgences, de la différence entre Calvin et Luther. Je voudrais quand même dire une chose. Pour bien placer
ce type d'enseignement, il faut commencer par les religions auxquelles on ne croit plus. Auxquelles on ne croit plus. Alors, on savait tout des dieux d'Égypte, des dieux grecs, etc. Et donc, c'était la pensée elle-même qui ressortait. C'était la substance d'un élément anthropologique qui faisait la réflexion. Donc, quand on nous dit qu'il faut enseigner les faits religieux, etc., ça a toujours été le cas. Mais effectivement, l'écueil, si on en fait une matière spécifique, c'est l'invasion, c'est le fait qu'on va pouvoir avoir, on va demander des spécialistes. Et les spécialistes, ben, on les connaît d'avance. Juste un point, alors je pense que je ne veux pas trop empiéter sur les réponses que pourront faire les collègues qui enseignent actuellement, parce que moi, il y a longtemps que je n'enseigne plus. J'ai enseigné 22 ans en lycée, mais c'est loin. Je voulais aborder un point d'une question précédente, le concept de laïcité et le système associatif. Il y a un point que l'on a peut-être... ça nous permet d'aborder un point. Le système associatif, mais les associations, c'est parce que la nature a horreur du vide qu'elles travaillent et qu'elles font du prosélytisme. C'est le déficit des services publics, du périscolaire. Alors, ben, vous avez des associations qui viennent au secours des démunis, etc. C'est une tactique que les frères musulmans utilisent très bien. Donc, la laïcité est indissociable du combat social. Du combat social et de la restauration des services publics dignes de ce nom en France, qui a été un modèle longtemps. Mais nous les voyons se déliter sous nos yeux d'année en année. Voilà ce que je voulais dire. Enfin, sur la question institutionnelle, oui, on a encore de beaux restes, c'est vrai. On a de beaux restes, mais ça ne suffit pas. Le petit exemple sur lequel j'ai voulu m'attarder pendant mon intervention, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre qu'au cœur même des programmes de la République, la mentalité que j'ai appelée « bisounours », mais en fait elle est féroce, cette mentalité, elle est présente. Les rédacteurs de ce programme, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête ? Si on leur montre maintenant, en leur disant « c'est ça que vous vouliez ?», ils vont nous dire « non, c'est pas ce qu'on voulait, on voulait être gentil ». Alors il faut regarder tout ça d'un peu près. Ça ne suffit pas donc d'avoir de bonnes institutions. Encore faut-il les remplir avec ce qui nous a été délivré ce soir, à savoir de l'énergie laïque, de l'énergie républicaine. Sans cette énergie du citoyen, on aura beau avoir les meilleures lois possibles, nous aurons des programmes scolaires où on nous dira « Ah, il faut être gentil avec tout le monde, il faut être gentil avec les convictions, etc. » Il y a énormément d'autres exemples. Il faut faire un petit peu de ménage dans tout ça, en tout cas être très vigilant dans tous ces actes qui ont l'air insignifiants, mais qui en disent très long. Voilà, je m'arrêterai là. Il nous reste certainement autant de questions que de réponses, mais nous avons à cœur de respecter nos engagements en termes de durée de ce temps. Ainsi, Yael. C'est sans doute insoluble pour l'instant. C'est une réflexion de parents, autant que de journalistes que de citoyens. Mais entre la salle de classe et ça, après la salle de classe, comment on fait la laïcité sur les séries Netflix que regardent mes adolescents, peut-être vos enfants aussi, ou petits-enfants, c'est un modèle anglo-saxon qui est diffusé dans les séries, où tout le monde arbore son signe religieux dans la salle de classe, dans une bonne humeur, où tout le monde est content et cohabite ensemble. Et voilà, et donc moi, je n'ai pas la solution sur notre modèle français qui est là, qui est unique au monde, et qu'il faut absolument préserver, et ce choc avec le retour à la maison le soir et ça. Voilà, moi, c'est ma grande interrogation pour cette année 2023. Merci. J'appelle donc Guillaume Trichard, grand maître du Grand Orient de France, pour les mots de conclusion. Madame la présidente de la commission parlementaire, chère amie,
dignitaire des obédiences amies, passé grand maître du Grand Orient de France, mes très chers frères Jean-Michel, José et Gilbert, mesdames, messieurs les présidents des associations amies du collectif laïque national, mes très chers frères et sœurs conseillers de l'ordre du Grand Orient de France, mes très chers frères, mes très chères sœurs, mesdames, messieurs, chers amis, et dans les chers amis, j'ajoute, chère Marie Cabrette, merci de ta présence. Je veux remercier tout d'abord celles et ceux qui ont permis que cette soirée exceptionnelle voit le jour dans des délais très courts, absolument courts, avec une volonté, la volonté de le faire ensemble avec le collectif laïque national. Votre présence, nombreuse, on voit rarement le temple Arthur Groussier aussi rempli qu'il est rempli ce soir, témoigne du caractère exceptionnel de cette soirée. Et puis, cette soirée est exceptionnelle grâce à vous, je le dis sans flagornerie aucune, grâce à vous, chers intervenants, par la qualité de vos brillantes interventions, où vous nous avez, ce soir, parlé d'abord des difficultés rencontrées sur le terrain de l'éducation, parce que beaucoup en parlent, mais finalement, vous êtes ceux qui vivaient sur le terrain les difficultés, qui les vivaient au quotidien. Et ça nous a fait beaucoup de bien d'entendre parler du conflit de loyauté, de la réalité de la mission éducative, de la salle des profs. Vous nous avez parlé, évidemment, des difficultés, et là, ça vient d'être fait à l'instant, entre le smartphone et les cours. Alors, j'ai quelques idées pour ces smartphones, mais je vous en parlerai ensuite. Et puis, merci aussi, chère Sophia Aram, d'avoir amener un peu de rire, d'éclat de rire dans une soirée sérieuse où on vient de vous le dire, il y a quelques minutes, quelques heures à peine, un nouvel attentat a eu lieu à Bruxelles avec plus de 2 morts déjà recensés. Évidemment, le parquet antiterroriste est saisi puisque le terroriste a prononcé malheureusement une phrase très célèbre avant de sévir et il est en fuite. Et si vous souhaitiez aller en Belgique ce soir, les frontières sont fermées entre la France et la Belgique. Je vous le dis avec beaucoup de gravité parce que ce matin, au square Samuel Paty, nous avons rendu hommage au héros Samuel Paty et au héros Dominique Bernard. J'ai voulu rendre aussi hommage au nom du Grand Orient de France au professeur Jonathan Sandler, professeur de 30 ans. Il avait 30 ans lorsqu'il a été assassiné avec 3 de ses petits écoliers par Mohamed Merah dans l'école juive Otsara Torah de Toulouse il y a un peu plus de 10 ans. Et pourquoi j'ai voulu parler du héros Jonathan Sandler? C'est parce que nous ne devons pas nous habituer à ce qu'un nom en remplace un autre, à oublier le nom ou les noms des martyrs de la République, de ceux qui tombent sous les balles des islamistes, qui tombent sous leurs balles pour avoir le malheur de faire un métier, celui de transmettre le savoir et les savoirs à nos enfants. Si on s'arrête quelques secondes et qu'on y réfléchit, quelques secondes, ce sont nos professeurs. Si on imagine, on a tous au fond de notre cœur le souvenir de nos profs, le souvenir de notre prof de grammaire, d'orthographe. Imaginons une seconde que nos profs bien-aimés aient été assassinés parce qu'ils enseignaient
simplement le savoir. Il formait les esprits à être des esprits libres. Et donc je crois que nous avons cette responsabilité de faire vivre leurs souvenirs, leur mémoire, et de ne pas oublier tous ceux qui sont tombés. Bien sûr, au-delà de la compassion, de la tristesse et même de la colère, notre responsabilité d'humain en fraternité est d'être dans l'action pour réparer la République. C'était le thème de cette soirée ce soir. Afin que nos actions soient efficaces, encore faut-il réfléchir, analyser et débattre. C'est ce que nous avons fait, car je veux le réaffirmer ici. L'heure n'est plus aux complaintes et aux pleurs. Richard Malka le disait très justement à la radio, nous n'avons plus de larmes, parce que notre corps, nos yeux ne peuvent plus donner de larmes, parce que nous avons versé toutes nos larmes. Aussi, aujourd'hui, l'heure est à la défense de la liberté d'enseigner, à la défense de la liberté d'expression. Deux hommes, deux serviteurs de la République, je pourrais dire même trois, à 3 ans de distance, ont été assassinés car ils faisaient leur métier. Ils participaient à l'éducation des futurs citoyens en leur transmettant les principes existentiels de notre République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ils ont été assassinés parce qu'ils sont ceux qui conduisent nos enfants sur le chemin de leur propre émancipation. Alors, face à ces morts, je nous appelle à un sursaut pour retrouver un monde commun, celui du vivre ensemble, cher à Ernest Renan. L'heure est au combat, au combat. Au combat d'idées, bien sûr, car oui, c'est un combat civilisationnel qui s'est engagé. La civilisation des Lumières contre celle de l'obscurantisme, celle des libertés, au premier rang desquelles la liberté de conscience, contre celle des interdits. Les francs-maçons du Grand Orient de France, fidèles à leur histoire, seront toujours au rendez-vous de ces combats, partout en France et hors de France. Hors de France, ça a été dit tout à l'heure. Pourquoi hors de France ? Parce que, ne soyons pas dupes, ne soyons pas aveugles, le réseau islamiste est parfaitement structuré. On parlait de la Société des Frères musulmans, qui est une organisation terroriste. Parlons du Hamas, qui est une organisation terroriste. Parlons du Hezbollah, qui est une organisation terroriste. Parlons du corps des gardiens de la révolution iranienne, qui est une organisation terroriste. Et tout cela sont connectés et trouvent des financements extraordinaires pour s'organiser. Et nous, face à eux, nous allons continuer à pleurer, à geindre dans nos temples, dans nos salles des fêtes. Sophia Aram l'a dit très justement tout à l'heure. Nous sommes 250, 300 dans cette salle. Nous avons tous le devoir d'ouvrir nos lèvres, de nous exprimer fortement. Nous aurions pu être beaucoup plus nombreux ce matin au square Samuel Paty. Il faut que nous soyons plus nombreux à défendre ceux, par exemple, qui nous font rire. Ceux qui nous font rire dans des spectacles, ceux qui nous font rire par des caricatures. Parce qu'il n'y a jamais une mauvaise caricature. Jamais. Les caricatures, quand elles dérangent, c'est qu'elles sont réussies. Alors je crois quand même que la conférence publique de ce soir doit nous rendre optimistes si nous nous mettons au travail. Ce soir, nous repartirons, je l'espère, de ce beau temple Arthur Groussier, nourri de nos débats et avec une volonté, celle d'agir pour être à la hauteur de l'engagement, du sacrifice,
des souffrances, ça a été dit tout à l'heure, des souffrances des dernières heures de Samuel Paty, des souffrances de Dominique Bernard, des souffrances de Jonathan Sandler, des souffrances de Masha Amini. Nous allons repartir avec la volonté farouche de réparer et défendre la République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Faisons-le, non pas forcément pour nous, peut-être pour ceux qui nous ont légué cette République, ce modèle démocratique que nous chérissons, qui se sont battus jusqu'à la mort pour que nous soyons libres. Faisons-le aussi et surtout pour nos enfants, car nous ne nous résignons pas à imaginer un jour qu'ils puissent être, comme en Afghanistan, comme en Iran, asservis à des tyrans sanguinaires et criminels. Faisons-le unis, déterminés, c'est le sens de l'action collective à laquelle je vous invite toutes et tous. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, merci de votre présence et à bientôt pour une prochaine conférence publique.